الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 23 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 للهجرة، الموافق للخامس من شهر مايو لعام 21 و2000. وبفضل الله تعالى لقد يسر الله عز وجل لنا قراءة كتاب الإمام الأجري رحمه الله تعالى في أخلاق حملة القرآن، وكنا قد وعدناكم أن نقرأ كتابا آخر للمصنف نفسه رحمه الله تعالى، وهو بعنوان فضل قيام الليل والتهجد. Vingt-troisième journée du mois de Ramadan de l'an 1442, c'est-à-dire le 5 mai 2021. Comme Allah Ta'ala nous a permis, par sa grâce et sa miséricorde, de lire le livre de l'imam Al-Ajuri rahimahullah Ta'ala dans les comportements des lecteurs du Coran, nous vous avions donc promis de lire un autre livre de l'imam en question dans les quelques jours qui restent avant la fin de Ramadan. Donc en partant du principe où l'Eid serait mercredi, donc on a aujourd'hui samedi, dimanche, lundi et mardi, soit 5 jours, Inch'Allah Ta'ala. Et le livre n'est pas très long, mais en même temps, vous me connaissez, je m'étale dans les détails, donc on va essayer de ne pas trop s'étaler ni s'attarder, en sachant que généralement les textes ils sont assez simples. Ce ne sont pas des textes difficiles. Donc on va essayer d'avancer. Non, le jeudi et le vendredi, je suis dans notre mosquée. On fait les chapitres de l'Iyad Salihin dans les mérites du jeûne. Et là, donc on va essayer de ne pas trop s'attarder sur les textes pour, Inch'Allah Ta'ala, finir le livre avant la fin de Ramadan. وهذا الكتاب أجازني به الشيخ سامي ابن عنبر رحمه الله تعالى، قال أو أخبرني به قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا ظهير الدين المبارك فوري إجازة عليه عن أحمد الله القرشي الدهلوي، عن نذير حسين الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه الشاه عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي، عن والده عن أبي طاهر الكوراني، عن والده عن الصفي القشاشي، عن الشمس الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر أنه قال قرأته على العماد أبي بكر ابن إبراهيم الفرضي بسماعه على الشرف عبد الله بن الحسن ابن الحافظ، قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد العراقي عن عبد الله بن أحمد خطيب الخطيب الموصل، قال أخبرنا أبو بكر أحمد علي الطريثيثي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحماني، قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى، قال المحمود الله تعالى في كل حال، والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وبالله يستعين. Donc comme on avait dit depuis le début, si vous suivez la lecture du livre entier ou avec un passage qui manque, qu'il soit petit ou grand, ou bien pour ceux qui suivent sur internet, qu'ils suivent en direct, donc à la fin du livre comme d'habitude, vous m'envoyez vos informations sur mail, par mail, et vous aurez vous aussi à votre tour une ijaza qui remonte jusqu'à l'auteur, rahimahullah ta'ala. Pour ceux qui ne comprennent pas l'ijaza, donc c'est un lien, silatun tarbitu bayna man yahmilu al-ilm. C'est un lien qui regroupe ceux qui portent la science. Il dit, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, السند صلة الأرحام بين أهل العلم. Donc la chaîne de transmission, c'est le lien de parenté qui lie
les gens de la science. Et aussi l'auteur, rahimahullah ta'ala, tous les hadiths qu'il rapporte dans son livre, yarwiha musnadatan, il les rapporte avec des chaînes de narration. Donc chaque hadith qu'il rapporte, eh bien, il sera lié à cette chaîne de transmission jusqu'à vous. Et même si aujourd'hui, alhamdulillah, les livres ils sont disponibles, ils sont accessibles, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça toujours. Parce que des gens ils disent quoi, ça ne sert plus à rien maintenant, il y a les livres, ils sont imprimés, on les trouve n'importe où. Là, tu ne sais pas combien de temps ça va durer ça. Ça se trouve demain, il y aura une guerre nucléaire, ou là, un choc électromagnétique terrestre, ou j'en passe et d'autres. Il n'y aura plus rien de tout ça. Et les livres, ils disparaissent. Les livres, ils disparaissent. Combien de livres, on les a perdus. Et ça, c'est un moyen de les garder. Wallah, Allah, vous ne savez pas, Ibn Hajar, il parlait d'un homme dont j'ai oublié le nom, qui avait assisté, parce que c'était un fellah, c'était un fermier, un paysan, qui avait un voisin qui était un muhaddith. Et ce voisin, il invitait des gens pour lire le Bukhari chez lui. Et comme c'était son voisin, il le faisait venir. C'est un fellah. C'est pas du tout son truc le hadith. Et il s'avère que son voisin c'était un muhadith qui avait une des chaînes les plus courtes jusqu'à le Bukhari. Et subhanallah, tous ceux qui ont pris le sanad de ce shikh là, ils sont morts, soit ils ont disparu. Et le seul qui restait c'était le fellah. Et les gens ils venaient chez lui pour prendre le Bukhari de lui, alors que lui il ne comprenait rien. Il était là, حدثني قال أخبرني قال أنبأني. Ibn Hajar disait ما كان يفقه شيئا مما يرويه. Il comprenait rien de ce qu'il rapportait. ولكن شاء الله تعالى أن يمر السند منه. Allah il a voulu, subhanallah, que ce soit par lui que la chaîne passe. Qu'est-ce qu'il devait avoir dans le cœur, quel secret il devait cacher avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a'lam. Mais Allah rafa'a dhikrahu bihada. Alors qu'il ne comprenait rien. Donc, Wallah, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas, on est là aujourd'hui, on est en 2021, on est dans la mosquée en 93, on ne sait pas qu'est-ce qu'il se passera dans 50 ans. On ne sait pas. Ça se trouve, il n'y aura qu'un seul survivant parmi nous tous, dans toute la terre. Et ce sera le seul qui aura ce salade-là. Il n'y aura que par lui qu'on pourra prendre la chaîne de transmission jusqu'à l'auteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas نستصغر هذه الأشياء. وهي سنة المسلمين. Il ne faut pas les négliger ces choses-là. Surtout que ça fait partie des traditions des musulmans. Vous vous rendez compte que depuis toujours, les livres se transmettent comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Sous prétexte qu'on a des impressions et des machines, on n'en a plus besoin. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. À ce moment-là, ceux qui disent on ne se fait plus de siwak, on se frotte plus dans le siwak parce qu'il y a des dentifrices, ils ont raison. Et nous, là, ils n'ont pas raison. Donc, il y a des choses qu'il faut conserver. Et ça fait partie de notre patrimoine culturel et scientifique. Et ça a une énorme valeur pour celui qui comprend ces choses-là. Amma celui qui azhadu fiha wa yuzahidu fiha, fahada la yudriku qimata hadhihi al-ashya. Quant à celui qui s'en désintéresse, et celui qui dit aux gens ça ne sert à rien, lui il n'a pas compris la valeur de ces choses-là. وَيُحْرَمُ خَيْرًا كَثِيرًا. Et il sera privé d'un énorme bien. قال المصنف رحمه الله. Donc je vais lire comme d'habitude, puis je ferai une traduction relative. المحمود الله تعالى في كل حال والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وبالله أستعين. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل أثنى على المتهجدين في الليل فأحسن عليهم الثناء ووعدهم أحسن ما يكون من الموعد الجميل ورغب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل وحث أمته عليه وهكذا العلماء رغبوا فيه وحثوا على قيامه ونبل عند جميع المسلمين من كان له حظ في القيام أو في قيام فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم والحظ الجزيل ليكون الراغب في قيام الليل على بصيرة من أمره يتاجر مولاه الكريم بعلم ويحسن الخدمة للمولى رجاء القربة منه. Donc vous vous souvenez, ce livre-là porte sur les vertus et les mérites de la prière nocturne et du fait de veiller
de ne pas dormir. Donc nous sommes dans les dernières nuits de Ramadan, la nuit dernière était la 23e, peut-être, et Allah sait mieux, c'était la nuit du destin, on ne sait pas. Et il reste encore 6 ou 7 nuits d'ici la fin du mois. Et donc encore 3 nuits impaires, la 25e, la 27e et la 29e. Et bien entendu, le but c'est de motiver et d'inciter les gens à prier la nuit et à rester éveillés la nuit. Surtout qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait vivre la nuit pendant les dernières nuits de Ramadan. Yuhyi layla. Mais ce n'est pas seulement pendant Ramadan. C'est-à-dire que nous, on essaye de s'habituer à veiller et à prier pendant la nuit, durant les nuits de Ramadan. Mais il faut aussi qu'on essaye de s'y habituer toute l'année. Et même toute la vie. Donc ce livre-là, il porte sur les bienfaits, les vertus et les mérites de la prière nocturne et de la veillée en adoration. Et toutes les nuits de l'année, et pas seulement durant le mois de Ramadan. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui veillent la nuit de la meilleure façon. Et il leur a promis la plus belle promesse. Ça fait un style, mashallah. Parce que la vidéo là en noir et blanc, je ne sais pas ce que s'est passé. Ouais, et puis pourquoi pas, ça change quoi, un Soufiane en couleur et en noir et blanc, ça change rien. Donc c'est pas grave, ça fait un style old school, tu vois, vintage. Je me demandais si le problème venait de chez moi ou si c'était général, c'est général. Et ben voilà, c'est comme moi, vieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les éloges de ceux qui veillent la nuit de la meilleure façon et il leur a fait la plus belle des promesses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité et a encouragé les croyants donc à se lever la nuit. On avait vu ensemble que qiyam al-layl, donc se lever la nuit, c'est une appellation générale qui englobe en premier lieu la prière, du moins qui fait référence en premier lieu à la prière, mais qui englobe toutes les formes d'adoration, quelles qu'elles soient. Donc à partir du moment où quelqu'un y passe une partie de la nuit en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la façon qu'il utilisera, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit les aumônes secrètes, discrètes la nuit quand personne ne le sait, ou autre, ça rentrera dans le fait de se lever la nuit, même si à la base, on vise la prière. Et les savants aussi, depuis toujours, incitent et encourage les gens donc à passer une partie de la nuit en prière et en adoration. Et depuis toujours, chez tout le monde, celui qui accorde à la nuit un temps à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, eh bien, il se distinguait parmi les gens. Il était remarqué. Même s'il n'allait pas s'en vanter, subhanallah, Allah ta'ala lui donnait un prestige auprès des gens qui le faisait s'élever au-dessus d'eux. Et plus on a une participation importante durant la nuit, plus ce prestige sera important auprès des gens. Et donc le but de l'auteur dans ce livre-là, j'ai froid. Le but de l'auteur dans ce livre-là, c'est de mettre en évidence donc les mérites très importants qu'il y a dans le fait de prier la nuit, ainsi que les récompenses énormes qui sont promises à ceux qui veille la nuit, afin que celui qui se lève la nuit pour adorer son Seigneur, il soit clairvoyant, il sache ce qu'il est en train de faire, qu'il ait conscience de la valeur de l'action qu'il accomplit et qu'il ait conscience de la récompense qu'il attend. Et ainsi, quand il commercera avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce qu'on commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يرجون تجارة لن تبور إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى غير ذلك من الآيات. Comme un verset où Allah Ta'ala emploie justement le champ lexical du commerce. Il achète, il propose un commerce. Et dans le hadith, سلعة الله غالية. السلعة البضاعة, c'est la marchandise. Elle vaut cher, celle d'Allah Ta'ala, elle est très chère. Comme il disait Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala, Ya sil'at al-Rahmani, lasti rakhisatan.
بل أنت غالية على الكسلان. Ô marchandise du tout miséricordieux, tu n'es pas peu cher. Au contraire, tu es très cher. Mais pour le fainéant, le paresseux. أما الذي يوفقه الله عز وجل فإنه يسير عليه. وهيئ. Quant à celui pour qui Allah a facilité ces choses-là, alors pour lui, ce sera à portée de main et facile. Donc on commerce avec notre Seigneur, avec science, et on est à son service dans l'adoration de la meilleure des façons, tout en espérant de se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله فأما ما وصف الله عز وجل به المتقين من أخلاقهم الشريفة في الدنيا التي أعقبتهم عند الله عز وجل شرف المنازل في دار السلام فأثنى عليهم بما تفضل به عليهم ووفقهم له فله الحمد على ذلك. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فوصفهم جل ذكره بقلة النوم أنهم أكثر ليلهم قياما إلى السحر ثم أخذوا عند السحر في الاستغفار لما سلف منهم مما لا يرضيه وإشفاقا منهم على أعمالهم الصالحة ألا ترضيه. أفترى الكريم لا يجيبهم بل يجيبهم وهو أكرم من ذلك. Puis donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il décrit les pieux, les vertueux. Il décrit leur comportement et leur caractère noble qui leur a fait obtenir ici-bas les plus hauts degrés et les meilleurs statuts. Donc, ces comportements qu'ils ont eus ici-bas leur ont permis d'obtenir et d'atteindre dans l'au-delà les plus hauts degrés et les meilleurs statuts dans le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a fait leurs éloges et il leur a rappelé que c'est de lui que vient ce bienfait. Donc et c'est lui qui leur permet de le faire, ils le font, et Allah ta'ala, il fait leurs éloges. Et il leur permet de l'adorer ainsi. Ça, quand on y réfléchit bien, c'est très fort. C'est que nous, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Adizuna tamam al-ajzi. On n'a aucun pouvoir, aucune force. La hawla lana wa la quwwata illa billah. On n'a aucune force, aucun moyen, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que si quelqu'un, une nuit, il se dit, tiens, si j'allais faire les ablutions que je priais, si je prenais le Coran et que je lisais, et qu'il le fait, il ne faut pas qu'il se dise qu'il l'a fait de sa propre initiative. Mais il faut qu'il se dise que c'est Allah Ta'ala qui l'a choisi et qui lui a permis de le faire. Et quand il l'a fait, eh bien Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait ses éloges parce qu'il a accompli cette action. C'est comme quand Allah il nous donne tout ce qu'on possède. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Tout ce qu'on a, ça vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc normalement, بَدَهِيًا, sans qu'on nous le demande, on devrait être reconnaissant et le remercier pour ce qu'il nous donne. Mais Allah nous ordonne de le faire. وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُلْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Alors que techniquement, on devrait le faire sans qu'il n'ait à nous l'ordonner. Et quand on le fait, il nous récompense et il nous rajoute. Pardon. Il nous crée pour l'adorer. Et si on l'adore, il nous récompense. Donc il nous permet de l'adorer la nuit et en plus il fait nos éloges et nos récompenses. Allah dit dans le Coran innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Certes les pieux sont dans des jardins et des fleuves. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ils prennent ce que leur Seigneur leur ont donné au paradis. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Avant cela, ils étaient bienfaisants. Déjà au départ, Allah a dit que les gens du paradis, c'est les muttaqin. Ensuite, il dit que fi dunya, c'était des muhsinin, des bienfaisants. Des gens qui adoraient Allah Ta'ala comme s'ils le voyaient. Et s'ils n'arrivaient pas à ce stade,
Alors ils gardaient en tête que Allah Ta'ala il les voit. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ils ne passaient que peu de temps la nuit à dormir. وبالأسحار هم يستغفرون. Et avant l'aube, l'ashar, le pluriel de suhur, qui est le sahar, qui est le dernier moment de la nuit avant le lever de l'aube, qabla al-fajr. Donc à la fin de la nuit, ils imploraient son pardon. Wabil ashar hum yastaghfirun. Subhanallah. C'est des gens qui passaient peu de temps la nuit à dormir. C'est-à-dire que la plus grande partie de leur nuit, ils la passaient éveillés. Réveillé à lire, à prier, à invoquer. Et lorsque la fin de la nuit arrive, à Sahar, ils se mettent à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison? Ils pensent à leurs péchés faits dans le passé. Et aussi, ils pensent à leurs actions. Ça, c'est très fort aussi. C'est des gens qui passent peu de temps dans la nuit à dormir et donc beaucoup de temps à adorer Allah Azza wa Jal. Et quand ils finissent, regardez-nous par exemple, quand on finit quelque chose, on ressent une satisfaction, on est content, c'est normal d'être content. Mais des fois, cette satisfaction, sans qu'on s'en rende compte, elle se transforme en fierté. Cette fierté, sans qu'on s'en rende compte, elle se transforme en orgueil. Pour la farida, les nahwiyoun, dans les livres de grammaire, ils mettent comme dernier chapitre, al-mahfoudat, ce qui est fini avec une kasra. Ils disent comme quoi, al-mahfoud, c'est ce qui est rabaissé. Et l'alam al-asliya de l'khabd, ou al-jar, sammihi, kayfa ma shi'at, al-kasra. Comme quoi, al-khabd, ça veut dire ce qui est en bas, ce qui est rabaissé. Et al-kasra, le i, le kasra, c'est ce qui est cassé. C'est pour qu'à la fin du livre, au lieu de t'enorgueillir parce que c'est bon, t'as appris, t'es arrivé à la fin du livre, tu te rabaisses et tu te casses. C'est pas tu te casses, tu te tues pas, non. Tu te casses en toi. Cette sensation de fierté, tu la casses. Eh bien, c'est ce qu'on devrait ressentir après l'adoration. Quand bien même on a réussi à faire quelque chose, on se souvient que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'a aucun mérite dedans. Ensuite, qu'est-ce que ça vaut? Réellement, on est là, on prie, on baille. Oh. Après, je suis dans quel rak'a déjà? Première, deuxième, quinzième, douzième. Après, tu récites les versets, tu sais plus t'es où, tu recommences, tu pars. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça vaut vraiment en fait? Donc en fait, on implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces actions qu'on fait pour lui, mais qui ne sont pas dignes de lui. Du moins, bon, lui, non, qui ne sont pas dignes de lui, lui mérite. Enfin, lui, l'adoration en moi devrait être parfaite. Mais nous, notre adoration n'est pas parfaite. Alors, on le demande pardon pour les manques qu'on a pu avoir dans cette adoration-là. C'est comme quand on finit la prière. Qu'est-ce qu'on doit en dire en premier après le salam? Astaghfirullah, trois fois. Quand Allah, il parle du Hajj, dans le Coran, il dit Faïza qadaytum manasikakum. Non, avant. Il dit, فَإِذَا فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ça vient après le wukuf bi Arafat. Le meilleur jour de l'année, c'est Laylatul Qadr. C'est la meilleure nuit de l'année. Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. C'est le jour dans lequel Allah Ta'ala pardonne le plus aux gens. Et dans lequel Allah il épargne de l'enfer le plus de gens. Et celui qui, pendant le hajj, il fait le wukuf bi Arafat, son hajj il est sahih. Et pourtant, Allah il dit quand vous finissez Arafat, istaghfirullah, demandez pardon. Toujours. Donc eux ils passent une grande partie de la nuit réveillés à prier, à lire le Coran, à invoquer, à évoquer, à incliner, prosterner, debout, à faire le bien. En plus, la nuit, comme on le verra après, dans l'intimité, dans l'obscurité, sans craindre ostentation, sans craindre un risque pour son intention. Et pourtant, à la fin, ils implorent le pardon. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ils ont peur que les péchés qu'ils ont faits avant
ne leur soient pas pardonnés, et ils ont peur que les bonnes actions qu'ils accomplissent ne soient pas acceptées. Et c'est comme ça qu'on doit être nous aussi. Quand même Allah nous permet de faire du bien et qu'on pense être préservé du mal, il faut jamais toujours se dire qu'il est possible que les péchés qu'on a faits n'ont pas été pardonnés. Et que les bonnes actions qu'on a faites n'ont pas été acceptées. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, et ils font tout ce qu'ils peuvent. Et avec ça, avec ces efforts fournis dans l'adoration, leur cœur il est plein de peur à savoir qu'ils vont retourner auprès de leur Seigneur. Et ils ont peur d'arriver devant Allah et de voir que toutes les actions qu'ils ont faites n'ont pas été acceptées. Et Allah, il ne fait de tort à personne. Et il n'a jeté vers personne. S'il ne les a pas acceptées, c'est qu'elles ne méritaient pas d'être acceptées. Et est-ce que tu penses qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Karim, le généreux, il ne va pas leur répondre? Non, au contraire. Il va leur répondre et leur donner encore plus que ce qu'ils espèrent. ثم قال جل ذكره فيما وصف به عباده من الأخلاق التي شرفهم بها فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فوصفهم جل ذكره أنهم في مبيتهم في ليلهم ليسهم كغيرهم من سائر الناس وذلك أن أكثر الخلق يتلذذون بالنوم وهؤلاء استأثروا الخدمة لمولاهم الكريم. Puis après Allah, dans un autre verset, les décrit à nouveau, décrit ses comportements et caractéristiques et bienséances qui sont les leurs, avec lesquels il les a couverts d'honneur. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahman, les esclaves, les serviteurs du tout miséricordieux, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, sont ceux qui marchent sur terre humblement, wa idha khatabahum al-jahiluna, et lorsqu'ils sont pris à part par les ignorants violents, qalu salama, ils leur disent, vous n'aurez de nous que la paix. On ne vous rendra pas le mal par le mal. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Et ceux qui passent leur nuit pour leur Seigneur, prosternés et debout. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que leur nuit à eux, elles ne sont pas comme la nuit des autres, des gens. Les gens, la nuit, ils se délectent du sommeil. Eux, ils préfèrent servir leur Seigneur, leur noble et généreux Seigneur, quitte à se priver du sommeil qui est apprécié par tout le monde. ثم وصفهم جل ذكره في موضع آخر فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Puis Allah, dans d'autres versets du Coran, les décrit encore, comme dans ce verset, tajafa. Al-tajafi, c'est le fait de s'éloigner d'une chose. Tajafa junubuhum, leur flanc s'éloigne de l'madaji', de leur lit, les endroits où ils dorment. Leur flanc se lève et quitte leur lit. Pour quoi faire? Pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'ouna rabbahum, ils invoquent leur Seigneur khawfan wa tama'a, avec peur et espoir. Ils ont peur que leurs péchés ne soient pas pardonnés. Ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées. Ils ont peur du jour du jugement. Et ils ont peur de ne pas aller au paradis. Et en même temps, ils espèrent que leurs péchés soient pardonnés et que leurs actions soient acceptées et que le jour de la résurrection, Allah leur fera miséricorde et qu'il les fera entrer au paradis. Et ils dépensent de ce qu'on leur a donné comme bien. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, « Amman huwa qanitun ana al-layl » C'est-à-dire, « qanit » c'est rester debout longtemps. Est-ce que celui qui reste debout longtemps Ana al-layl, pendant la nuit, qu'est-ce qu'il fait debout longtemps pendant la nuit? Sajidan wa qa'ima. Il se prosterne et il se lève. Il prie. Pourquoi est-ce qu'il se prosterne et qu'il se lève? Pourquoi est-ce qu'il prie de longs moments de la nuit? Yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi.
Toujours la même chose. Il craint l'au-delà et il espère la miséricorde de son Seigneur. Et si vous avez remarqué, c'est un style arabe qu'on retrouve beaucoup dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, il tourne la phrase sous forme interrogative de façon à établir une comparaison entre deux types de gens ou de choses. Amman huwa qanitun. En gros, est-ce que celui qui passe de longs moments debout, la nuit, debout et prosterné, à craindre l'au-delà et à espérer la miséricorde de son Seigneur, puis s'arrête. Parce que al-muqabil mafhoum, la yahtaju ila dhikr. Parce que ce qui vient en contrepartie est compris d'emblée et n'a pas besoin d'être cité. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas cité? Li haqaratihi. En gros, est-ce que celui qui est comme ce qu'on vient de dire, il est comme celui qui n'est pas comme cela? Mais ici, comme celui qui n'est pas comme cela, il est tellement méprisable qu'il ne mérite même pas d'être cité dans la même phrase en comparaison avec le premier. C'est comme dans le hadith de Omar radiallahu anhu, quand il parle de la hijra, sallallahu alayhi wa sallam, « فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Il n'a pas répété « فَهِجْرَتُهُ إِلَى إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَوْ دُنْيَا يُصِيبُهَا. » Parce que c'est des choses, elles ne méritent pas d'être répétées. Elles ne méritent pas d'être citées. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire celui qui se lève la nuit, qui reste longtemps debout, incliné, prosterné, à craindre l'au-delà et à espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme les autres. Mais on ne va même pas le dire. Tellement il ne mérite pas d'être cité. Après, il dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils sont égaux? Bien sûr que ce verset, son sens, il est général. Mais quand tu le remets dans le contexte, tu le comprends autrement. Ça veut dire que celui qui se lève et qui passe un long moment de la nuit debout, prosterné, à craindre l'au-delà et à espérer la miséricorde de son Seigneur, lui, il sait. Il est conscient. Il sait pourquoi il fait ça. Mais l'autre qui n'est pas comme lui, qui ne le fait pas, lui, il ne sait pas. Il n'est pas conscient. Et c'est pour ça qu'il préfère dormir. إنما يتذكر أولو الألباب. Ce ne sont que les doués d'intelligence qui réfléchissent à ces choses-là. Ce ne sont que les doués d'intelligence. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى تدبروا رحمكم الله ما تسمعون من مولاكم الكريم كيف يخبر بكثرة سجودهم وطول قيامهم وحسن خدمتهم ثم أخبر عنهم بعد هذا الكد الشديد أنهم على حذر مما حذرهم من عظيم شأن الآخرة وشدة أهوالها وأن الغالب على قلوبهم شدة الخوف والوجل مع المسارعة فيما يرضيه. J'ai réfléchi, c'est bien à ces versets qu'on vient de vous lire, que vous venez d'entendre. Comment Allah Ta'ala nous informe de ces hommes-là et de ces femmes-là qu'ils se prosternent beaucoup et qu'ils restent longtemps debout et qu'ils sont au service de leur Seigneur de la meilleure façon. Et en même temps, il nous apprend, Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'avec ses efforts fournis, surtout la nuit, quand le corps il est fatigué et qu'il demande le repos, c'est à ce moment-là que c'est le plus difficile. Et donc l'effort fourni avec la fatigue, surtout quand il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'activité, tout le monde est en train de dormir, alors ça nous donne encore plus envie nous aussi de se reposer. Mais on fait un effort sur soi-même et on se force à rester réveillé. Donc avec tous ces efforts-là, eh bien, ils ont malgré tout peur des choses contre lesquelles Allah les a mis en garde dans ce qui arrivera le jour de la résurrection. De ces choses, ces cataclysmes et de ces menaces terribles et effrayantes qui auront lieu ce jour-là. Ce qui signifie que ces gens-là, avec ce qu'ils accomplissent comme action vertueuse, ça reste la peur qui a le dessus dans leur cœur. Ils ne se reposent pas sur leur laurier. Ils ne se disent pas, j'ai passé la nuit debout, prosterné, c'est bon. Non, au contraire, malgré les actions qu'ils font, ils se précipitent pour obtenir la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont toujours inquiets et soucieux concernant leur devenir dans l'au-delà. وكذلك وصفهم في موضع آخر
من كتابه فقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فأخبر عز وجل عن تلاوتهم للقرآن في الليل تارة قياما وتارة سجدا. Dans d'autres passages du Coran, Allah Ta'ala les décrit encore ces hommes et ces femmes-là qui passent à long moment de leur nuit à son service, à l'adorer et à l'implorer et à se prosterner. Il dit, ceux qui sont pleins de la crainte de leur Seigneur, ceux qui croient au signe de leur Seigneur, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, ils font ce qu'ils font comme action, et leurs cœurs sont pleins de peur, à savoir qu'ils reviendront vers leur Seigneur. Oulaïka, ce sont eux. Nous, on ne se rend pas compte de Oulaïka, ce damir, qu'est-ce qu'il signifie en arabe. Ça veut dire ce sont eux, Oulaïka, yusari'ouna fil khayrat, qui se précipitent et qui se devancent, qui font la course dans les bonnes choses, wahum laha sabiqoun. Et ce sont eux qui devancent, qui se devancent les uns les autres vers les actions vertueuses. Al-Khayrat. On verra par la suite que les croyants, ils divisent en trois catégories. Al-Sabiqoun. Et dans le Sabiqoun, il y a deux catégories. Al-Muqarraboun ou Al-Abrar. Puis, il y a Ashabul Yamin. Puis, il y a Ashabul Ashimal. Donc, l'élite chez les croyants, ce sont Al-Sabiqoun. Ceux qui devancent. Et Allah dit quoi les sabiqoun dans le Coran? Thullatum min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin. Une multitude parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Plus on avance dans le temps, moins il y en a. Ja'alani Allah wa yakum min hadha al-qalil. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala, laysu sawa'a. Ils ne sont pas les mêmes. Min ahli al-kitabi, parmi les gens du livre, ummatun, un groupe, qa'imatun, qui sont debout, yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum sajidun. Ils récitent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala une partie de la nuit et ils se prosternent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que soit ils lisent le Coran la nuit, soit ils se prosternent. Des gens, leur nuit, ils les occupent et ils les remplissent des différentes formes d'adoration. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فيما وصف به أهل التهجد في الليل فقال قد حملوا الليل أبدانا مذللة وأنفسا لا دانيات ولا دونا وراوحوا بين أقدام لهم صبر وأوجه عفروا منها العرانين يتلون في محكم الفرقان آيته وتارة سجدا لله يبكونا تمري قوارع في القرآن أعينهم مري المراي أكف المستديرين. Donc ici, en plus de citer des versets du Coran et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses plus prédécesseurs, il met aussi des vers de poésie dits par les anciens, entre autres parmi eux Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Il dit, il y a des gens qui ont asservi leur corps, ils les ont humiliés pendant la nuit. Ce sont des corps qui sont humiliés, c'est-à-dire qui se fatiguent et s'épuisent dans l'adoration durant la nuit, mais ce sont des âmes qui, elles, sont les plus nobles et les plus élevées. Si le corps, lui, il est humilié par la fatigue, il est humilié par son propriétaire, qui le force à prier et qui le prive de se reposer, eh bien l'âme, elle est la plus noble et la plus honorable qui soit. Et il se force à faire cela pendant la nuit. وَرَوَحُ بَيْنَ أَقْدَامِ اللَّهُمْ صُبُرٌ وَأَوْجُهٌ عَفَّرُ مِنْهَا الْعَرَانِينَ. Et il passe de la position où leurs pieds restent longtemps debout et supporte cette position-là. Non, on ne peut pas savoir ça. Parce qu'on n'est pas resté sans qu'on fait la queue à la CAF
qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir. Quand on reste debout 10 minutes, t'as vu, on commence à bouger les pieds comme ça, parce qu'on sent que ça commence à faire mal. Alors qu'est-ce qu'on doit dire alors une demi-heure? Qu'est-ce qu'on doit dire alors une heure? Qu'est-ce qu'on doit dire alors deux heures? Même ils restent debout, ils ne bougent pas. Leurs pieds, ils supportent la longue période où ils sont debout. Et leur visage aussi, ils mettent leur nez au sol en prosternation de longs moments. Ils se forcent et supportent cela. Et ils passent de cet état-là à l'autre. Ils lisent dans le Coran des versets, donc les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, taratan, donc soit ils lisent le Coran et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit ils se prosternent en pleurant. Il dit que les exhortations qu'il y a dans le Coran font couler les larmes de leurs yeux, comme vous savez, celui qui va traire la femelle. Celui qui va traire la femelle, Habib al-Hajj, ma kach va salam, Habib al-Hajj. Had safr su ibqa ibqa khawi yard ali. Alhamdulillah, barakallahu fik. Comme celui qui va traire la femelle dont la mamelle elle est pleine. À peine il va appuyer dessus que le lait il va gicler, il va couler. Eh bien, ces exhortations fortes dans le Coran font couler leurs larmes de la même façon que le lait ne sort de la mamelle pleine de la chamelle lorsqu'on va la traire. Donc ça, une image forte pour te montrer à quel point il pleure. وقال ابن مبارك أيضا إذا من الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. Il dit, lorsque la nuit les obscurcit, donc lorsque la nuit arrive avec l'obscurité et les ténèbres, et qu'elle fait partir la lumière, كابدوه, les gens de la nuit, ils l'affrontent. Ils affrontent la nuit comme si c'était un ennemi. Ils ne vont pas se livrer. Nous, quand la nuit arrive, on dit, t'as gagné. Jette l'éponge. Fais de moi ce que tu veux. Eux, quand la nuit arrive, au contraire, ils disent, non, tu ne vas pas nous avoir, toi. Kabadour, ils vont l'affronter en restant réveillés. Fayusfiru anhum wa hum rukuu. Jusqu'à ce que la nuit les quitte. Alors qu'ils sont encore inclinés. La nuit est passée, ils l'ont affronté, et quand elle est finie, ils sont toujours en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Atar al-khawfu nawmahum. La peur a fait s'envoler l'envie de dormir. Faqamu. Et alors ils sont restés réveillés. Wa ahlul amni fi dunya hujurun. Pendant que les gens ici-bas, qui sont en sécurité, sont en train de dormir. Les gens qui n'ont pas peur de rien, qui se sentent en sécurité, les gens qui n'ont pas peur qu'on vienne fracasser leur porte au milieu de la nuit, qui n'ont pas peur de se faire attaquer par des ennemis ou par des animaux sauvages, ils dorment un peu enfermés comme nous. T'as vu, à une époque, moi je me rappelle quand j'étais petit, mon père il avait fait blinder la porte, il avait mis je sais pas combien de verrous, et tous les soirs, je me rappelle, avant d'aller dormir, mon père fermait les verrous. Crac, 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 crac. Il y avait 20 clés en dur dans son château. Et pas pour vous, moi je suis même pas la clé, même pas la porte à clé. Hein. Ça y est, on a machin que mal. Nous on est insouciants. On est insouciants. On va dormir, on ferme la porte. Moi des fois je regarde la porte, je regarde ma clé, oh c'est pas la peine. Puis on va dormir. Puis on n'est pas, on se réveille pas en sursaut au milieu de la nuit parce qu'on a entendu un bruit. On a pas écouté qu'il y ait quelqu'un dans le salon en train d'ouvrir les tiroirs. Non. Qui a sa bille là? Personne. C'est fini. Donc ceux qui se sentent en sécurité, ils dorment à point fermé. Ils dorment bien. Il n'y a que celui qui a peur, qui n'arrive pas à dormir. Imagine-toi, tu vis dans un quartier où il y a beaucoup de cambriolage. Ton voisin t'a dit la veille, je me suis fait cambrioler. Et l'avant-veille, ton autre voisin t'a dit, je me suis fait cambrioler. Tu vois, c'est dur. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas dormir. Tu vas fermer toutes les clés. Tous les verrous de la porte. Et tu vas dormir, tu vas rester réveillé devant la porte avec une batte ou bien avec quelque chose d'autre. Tu ne vas pas dormir. Parce que tu as peur.
Mais comme nous, on n'a pas peur, on dort. On dort. Eux, comme ils ont peur de l'au-delà, ils n'arrivent pas à dormir. قال رحمه الله حدثنا بهذا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال سمعت محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن مبارك وذكر هذه الأبيات قال رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال قليل من الليل ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون قال مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. Donc ici on a Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala qui commente le verset qu'on a vu précédemment, comme quoi il passait peu de temps de la nuit à dormir, et à la fin de la nuit ils imploraient le pardon, c'est-à-dire qu'ils allongeaient la prière jusqu'à la fin de la nuit, et lorsque à la fin de la nuit arrivait et que leur prière s'achevait, alors ils passaient le reste du temps avant le fajr à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال محمد بن حسين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قيام الليل ورغب فيه أمته وأخبر أنه لا صلاة بعد صلاة الفريضة أفضل من قيام الليل. Il y a de nombreuses traditions prophétiques qui nous informent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup incité les croyants à se lever la nuit. Et il nous a aussi informé qu'il n'y a pas de meilleure prière après la prière obligatoire que la prière nocturne. قال رحمه الله أخبر حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال الحلواني وحدثني الحماني أو الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. Voici dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. Donc on sait que dans les prières surérogatoires, il y a beaucoup de prières surérogatoires. Il y a les rawatib, celles qui accompagnent les prières obligatoires. Il y a celles de Ad-Duha dans la matinée. Il y a celles qu'on fait en rentrant à la mosquée. Il y a celles qu'on fait après avoir fait les ablutions. Il y a celles qu'on fait en rentrant chez soi. Bref, il y en a beaucoup. Et à celle qu'on fait la nuit. Et de toutes ces prières qui ne sont pas obligatoires, la meilleure d'entre elles, c'est celle qui est faite la nuit. Après la prière obligatoire, bien entendu. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومكفرة للسيئات ومبرأة من الإثم ومنهاة عن الإثم. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن زريق ابن رزيق قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان عن الأعمش عن أبي العلاء العنزي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قرب من الله عز وجل وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. Donc une narration prophétique connue dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam vante les mérites de la prière nocturne. عليكم. عليكم c'est اسم فعل الأمر. C'est un terme qu'on va utiliser pour ordonner quelque chose ou pour inciter quelqu'un à faire quelque chose en lui faisant comprendre et prendre conscience que c'est vraiment, vraiment important. Fais-le. Biqiyam al-layl, la nuit. Levez-vous la nuit, priez, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-le. Fa'innahu da'bu salihin qablakum. Car c'est l'habitude, la tradition des vertueux avant vous. Donc on comprend à travers cette parole-là
que Qiyam al-Layl n'est pas une adoration qui est propre, qui n'a été légiférée que pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une adoration ancienne qui a été pratiquée depuis toujours par les croyants et les vertueux dans toutes les communautés. Comme quand Allah nous informe dans le Coran qu'il nous a rendu le jeûne obligatoire, comme il l'a rendu à ceux qui nous ont précédés. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. C'est donc l'habitude et la tradition d'Abou, c'est ce qu'on fait tout le temps. Des vertueux avant vous. Wa qurbatun ila Allah azza wa jalla. Qurba, et dans notre version, qurbun. C'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme une offrande qu'on lui fait. Wa mukaffiratun lis sayyi'at. C'est aussi un moyen pour expier les péchés. C'est aussi un moyen de s'interdire de faire les péchés. Des gens, des fois, il y a des gens qui viennent te voir et te disent, ça m'est déjà arrivé, quand on pose cette question-là, on me dit, ouais, j'ai un péché que je fais souvent, alors j'ai juré par Allah que j'arrêterai de le faire. Puis après, il le refait. Voilà. Tu étais dans un problème, maintenant tu es dans deux problèmes. C'est faut savoir, mes frères, que ces façons de faire, elles ne sont pas légitimes. Et qu'elles ne vont couvrir des portes de mal. Surtout quand c'est un péché qu'on fait depuis longtemps et qu'on veut arrêter d'un coup. Ça, c'est très difficile. L'âme, elle s'habitue à des choses sur une longue période. On ne pourra pas la stopper, la priver de la faire en un clin d'œil. Même si l'intention, elle est bonne, même si la volonté, on pense qu'elle est forte. Mais la nature humaine, elle est forte aussi. Idan, donc, il ne faut pas faire ces choses-là. Mais il faut chercher les moyens légiférés qui vont faire office de barrière et nous empêcher, nous interdire de faire le péché. Manhatun, ça veut dire interdire. Quand toi, tu es sur le point de faire le péché, il y a dans ta tête une voix, soit c'est ta conscience, soit c'est autre chose qui va te dire, « je fais qu'il y a mon lit. » Ceux qui font criminel, ils ne font pas des choses comme ça. Et ça, normalement, ça devrait être la même chose pour toute personne qui fait la prière. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle t'empêche de faire la turpitude et le mal. Donc quand tu es sur le point de vouloir faire un mal, dis-toi, je fais la prière. Les gens qui font la prière, ils ne font pas ces choses-là. Et tu t'arrêtes. Et celui dont la prière ne l'empêche pas de faire le mal et la turpitude, c'est que sa prière ne vaut pas grand-chose. Il faut qu'il la revoie. Donc, Qiyam al-Layl est un des moyens les plus efficaces pour s'empêcher de faire des péchés. Et dans l'autre version, il dit « Wa mataradatun lidda'i anil jasad ». C'est aussi un moyen de repousser les différents maux, M-A-U-X, les différentes maladies qui touchent le corps. Subhanallah, celui qui prie la nuit, eh bien, Allah Ta'ala, il le préserve des maladies et des maux corporels à travers cette action-là. Vous savez, je suis tombé sur un article, quelqu'un qui dit, oui, subhanallah, il a été prouvé scientifiquement que celui qui s'empêche de dormir la nuit, hein, une partie, et son système immunitaire, blablabla. On s'en fiche de ces trucs-là. On n'en a pas besoin. Le prophète, il a dit, ça suffit, classe. Un gars à Harvard avec une petite moustache comme ça, il y a un papillon, il vient de me dire « Oui, on a prouvé par des entités scientifiques, on n'a pas besoin de toi, Jean-Jacques. » Nous, on est la communauté qui croit en l'invisible. Les autres communautés, Allah Ta'ala leur a donné à travers leurs prophètes des grands signes, parce qu'ils avaient la foi faible. Ils voulaient des ayats. Nous n'en avons pas besoin, nous. Nous, le Coran et la Sunna nous suffisent. Pas besoin que tu me ramènes, toi, un psychologue ou là, un cardiologue ou là, un je sais pas quoi, logue, qui vient dire, oui, on a prouvé. Non, on s'en fiche. Et je vais même aller plus loin. Si tous les scientifiques du monde, ils se réunissent pour dire non, c'est faux, eh ben on ne croira pas, vous. Parce que, indirectement, celui qui vient, qui croit, parce qu'il croit bien faire, les gens qui font ces choses-là. Moi, je ne leur prête pas une mauvaise intention. C'est plutôt une maladresse. Eh bien, ils sont contents, ils croient que ça va te confirmer l'information. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, quand l'information, elle s'oppose au texte? Comment tu veux, toi? Hein? Moi, quand le prophète dit à Abu Dharr, radiallahu anhu, que le soleil, quand il se couche, il va se présenter devant le trône d'Allah, moi, j'y crois. Viens pas me dire.
dire, ouais, mais Harry, le soleil, il est toujours présent sur Terre. Quand est-ce qu'il se prosterne? C'est pas mon problème, moi, ça. Moi, le prophète, il m'a informé, j'y crois. Amanna bihi, kullu min indi rabbina. Et le prophète, sallam, c'est as-sadiq al-masduq, comme les sahabas, ils le décrivaient, ils l'appelaient, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parce que si on joue à ce petit jeu-là, ben, on va être confronté à des problèmes. Donc, moi, j'en veux pas du tout. Que ça aille dans le sens du texte ou non, laissez-moi tranquille. Moi, laissez-moi arguerrer, appelez ça comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Dans le texte, on me dit que Qiyam al-Layl, il repousse les maladies du corps. Alors oui, Qiyam al-Layl, il repousse les maladies du corps. Après, le cardiologue, neurologue, je ne sais pas quoi, log, il peut dire ce qu'il veut, ça me fait une belle jambe. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي قال حدثنا ثابت بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. Ce hadith-là, il est très particulier, pas pour son contenu mais pour son histoire. Et ça, c'est un des exemples que les muhaddithines donnent pour al-khata fil riwaya, l'erreur dans la transmission du hadith. On va juste revenir à un des rapporteurs qui s'appelle Thabit ibn Moussa dans la chaîne de transmission. Le hadith, il dit que celui qui prie beaucoup la nuit, son visage s'embellit de jour. Ce hadith-là, il est mawdou'a. C'est un hadith inventé. D'accord. Maintenant, il n'y a pas dans la chaîne de transmission de rapporteurs qui sont connus pour inventer le hadith. En fait, il y a une erreur. Thabit ibn Moussa, il était aveugle, rahimahullah ta'ala, était connu pour sa ibadah, ce n'était pas un menteur. Il est rentré chez Shariq ibn Abdillah. C'est son shir, celui de qui il prend le hadith. Et Shariq ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, alors qu'il était dans son assise où il rapportait le hadith, il a vu l'A'mash, il a commencé à rapporter un hadith. Donc, Shariq ibn Abdillah, il dit, An al-A'mash, An Abi Sufyan, An Jabir ibn Abdillah. Puis il s'arrête. Et au moment où il arrive à Jabir ibn Abdillah, il y a quelqu'un qui rentre dans. Il y a quelqu'un qui rentre dans la salle où il faisait le tahdith, où il rapportait le hadith. Et Shariq ibn Abdillah, le cheikh de Thabit qui rapporte le hadith, c'était quelqu'un de plaisantin. Comme quoi, ça existait chez les salafs. Hein, pour ceux qui croient qu'ils étaient comme ça, ils ne rigolaient pas, c'est pas vrai. Hein. À la hal, il était plaisantin. Et il a vu la personne rentrer, et quand il a vu son visage, il a dit « Man kathurat salatuhu bin layl, hasuna wajhuhu bin nahar » Quand il a vu celui qui est entré avec un visage radieux, il a souri, il était content de le voir, il a dit « Celui qui prie beaucoup la nuit, son visage s'embellit de jour. » Et Thabit ibn Moussa, on entend rire, mais il chauffe, il est aveugle. Donc lui, il entend son shir, Shariq ibn Abdillah, dire An al-A'mash, An Abi Sufyan, An Jabir. Puis il entend Man kathurat salatuhu bil layli, hasuna wajhuhu bin nahar. Donc lui, il a compris que c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il l'a rapporté comme ça. Et comment on sait que c'est un hadith mawdou'? Parce que chez tous ceux qui rapportent le hadith de Shariq ibn Abdillah, il n'y a personne qui rapporte ce hadith-là. Personne. Il n'y a que Thabit ibn Moussa al-Darir qui le rapporte. Et ibn Adi, dans son livre Al-Kamil, il explique justement les circonstances de rapport du hadith. Comme quoi, des fois, ça arrivait, il y avait des amalgames, des confusions entre la chaîne de transmission donnée par le shir et une parole qu'il disait par la suite qui avait été comprise comme étant le hadith qu'il rapportait. Alors que ce n'était pas le cas. Donc cette parole-là, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. On verra par la suite qu'il existe certains textes qui vont dans ce sens-là. قال رحمه الله وحدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال حدثنا علي بن موفق ما بال أهل الليل هناك بياض هناك شيء ناقص في النص والمتوقع أن رجلا قال لآخر ما بال أهل الليل حسان الوجوه قال لأنهم قربوا من الله عز وجل ف
فكساهم من نوره. Et donc justement, on a un texte qui va dans ce sens-là, où il y a des gens qui ont été demandés aux pieux, aux savants, aux vertueux, comment se fait-il que les gens de la nuit ont les visages les plus beaux? Alors, il leur a répondu, le savant en question, on n'a pas le nom ici, parce qu'il y a un passage manquant dans le texte. Il a dit, parce qu'ils se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il les a vêtus de sa lumière. Fakassahum min nourihi. Ils se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il les a vêtus de sa lumière. Donc ça vient confirmer la parole précédente. Même si elle n'a pas d'origine dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont remarqué que les personnes qui passaient du temps la nuit à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en prière ou autre avaient des visages plus beaux, plus radieux que ceux qui passaient leur temps à dormir. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد العزيز بن عباد أخو حمدون بن عباد الفرغاني قال محمد بن عبد الحميد قال حدثنا شيخ من البصريين عن إسماعيل بن مسلم قال قيل للحسن ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها قال لأنهم خالوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. Donc encore une parole dans ce sens-là, ils ont demandé à Al-Hassan al-Basri, comment se fait-il que ceux qui veillent la nuit en prière ont les plus beaux visages parmi les gens? Sont ceux qui parmi les gens ont les plus beaux visages. Il leur a répondu, parce qu'ils se sont isolés avec Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit, tout seul, la personne avec toi, ni femme, ni enfant, ni voisin, ni commerçant, ni client, ni rien. C'est tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tunajihi. Al-munaja, c'est quand tu te confies à quelqu'un. Tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure dans l'Adab al-Mufrad, il y avait un grand passage avec beaucoup d'invocations. Puis à la fin, il y a un hadith azim. Laysa shay'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Il n'y a rien auprès d'Allah ta'ala qui a plus de mérite, de valeur que l'invocation. Au point où il a dit sallallahu alayhi wa sallam que l'invocation c'est l'adoration. Tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as des choses dont tu dois te plaindre, c'est à lui que tu vas le faire. S'il y a des choses dont tu as besoin ou bien que tu veux, c'est à lui que tu vas les demander. S'il y a des choses que tu crains ou dont tu as peur, c'est à lui que tu vas demander de te protéger. Et c'est ça, ces choses-là, malheureusement, on les a perdues. On a vu dans les hadiths aussi, man lam yas'al Allah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah il se met en colère contre lui. Et nous, malheureusement, l'invocation, on en a fait quelque chose de machinal, quelque chose de mécanique. Quand on le fait, on est là, Allah, ni queue ni tête, rien. T'es là en train de lever tes mains après la prière. Tu regardes à ta gauche, tu regardes à ta droite, tu regardes le plafond. Quelqu'un qui passe, ça va regarder la veste, tu es comme ça, Allahumma. Puis à la fin, tu regardes ta montre, tu regardes ta montre comme ça, ça suffit. Ouais, tu pars. De Hana, c'est une invocation ça. Moi, je dois quelqu'un me voir. Il dit, Khoya, tu veux faire. Il te parle comme ça. Il dit, ouais, franchement, je suis dans la galère, j'ai besoin de toi. Tu peux me donner quelque chose, s'il te plaît? Tu dis, non, mais je vous dis avec. Il te parle, il ne te regarde même pas. Il est là, il regarde sa montre, il regarde la tête, il regarde, ça va, je vais bien. Tu me parles avec moi, il est avec Gad Dunya. Et dans le hadith, Oud'Allah, wa antum muqinuna bil ijaba, fa inna Allah la yastajibu li qalbin lahi. Invoquez Allah en étant persuadé, certain qu'il vous répondra. Allah n'y répond pas à un cœur distrait, un cœur insouciant. On se demande pourquoi on fait des du'a et puis on voit rien. Ils se sont isolés avec Allah subhanahu wa ta'ala et il leur a fait porter, il leur a fait vêtir, il les a vêtus de sa lumière. Il les a vêtus de sa lumière. Et celui à qui Allah donne une lumière, aucune ténèbre ne pourra effacer cette lumière-là. Et à l'inverse, celui qui est privé de cette lumière-là, comme Allah a dit dans le Coran, «
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, eh bien, il n'en aura jamais. On pourra prendre les projecteurs les plus puissants et les mettre devant lui, il restera dans les ténèbres. Et celui qui reçoit de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya, on la recevra aussi dans l'au-delà. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour où tu verras les croyants, leur lumière circulera autour d'eux, devant eux et à leur droite. Et plus ta foi était forte fi dunya, plus la lumière qui te sera donnée, elle sera importante et forte. Une vraie lumière. أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et à qui on a donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est-ce que celui-là il est comme celui qui est dans les ténèbres et jamais il en sortira? أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. Comme dans un océan tumultueux avec des vagues immenses où tu te trouverais au fond. Imagine-toi, dans cet océan-là, il y a plusieurs couches de vagues. Tu es au fond de l'océan, Yarsha Kama, où il y a une vague, puis encore une vague, et au-dessus, les nuages. Dans une nuit ténébreuse et obscure, tu es entouré par plusieurs couches d'obscurité, au point où si tu sors ta propre main devant ton visage, tu ne peux pas la voir, tellement tu es dans les ténèbres. Et les hypocrites, justement, aussi sont dans les ténèbres. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Lorsque les hypocrites demanderont aux croyants de la résurrection, attendez-nous qu'on profite de votre lumière. Parce qu'ici-bas, ils profitaient des croyants. Ils restaient avec eux. Mais dans l'au-delà, ça ne servira à rien. Ils seront au milieu des croyants. Des croyants qui auront des lumières resplendissantes. Et eux seront dans les ténèbres. Ils ne pourront pas avancer. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Comme ils sont vite dunya. Comme Allah les a décrits, subhanallah. عَلَى كُلِّ حَالٍ. Donc nous, on doit chercher les moyens d'avoir une lumière ici-bas pour espérer en avoir dans l'au-delà. Et parmi les meilleurs moyens d'en avoir, c'est de se lever la nuit et implorer son Seigneur. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يضحك الله إلى رجلين رجل قام في جوف الليل وأهله نياما فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله إليه ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله عز وجل الشهادة. Donc la parole de Abdullah ibn Mas'ud ici radiyallahu anhu, dans laquelle il dit qu'Allah Ta'ala rira à deux personnes. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ses créatures, donc ne va pas commencer à imaginer tout ce que tu pourras imaginer. Allah Ta'ala, il sera différent. Laysa kamithlihi shay'un. Donc Allah Ta'ala, il rira à deux personnes. Un homme qui s'est levé au milieu de la nuit, alors que sa femme et ses enfants sont profondément endormis. Il s'est purifié, puis il s'est levé et a prié. Allah Ta'ala lui rira. Et un homme qui a rencontré l'ennemi sur le champ de bataille, et tous ses compagnons ont été vaincus et anéantis. Et lui, au lieu de rebrousser chemin, eh bien, il continue dans la bataille et fait face à l'ennemi jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui offre le rang de martyr. Eh bien, lui aussi, Allah Ta'ala lui rira le jour de la résurrection. Et cette parole-là, bien entendu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne peut pas le dire de lui-même. Hada ma yusamma bi al-marfu'i hukman. C'est des paroles auxquelles on va donner le jugement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est des ghaibiyat. C'est des informations de l'invisible
qu'on ne peut pas avoir sans la révélation. Donc si Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu le dit, c'est qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il rapporte un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam après Abu Sa'id, qui dit la même chose. Il rajoute même un troisième. Donc un qui se lève la nuit pour prier, un qui fait face à l'ennemi alors que tout le monde a été vaincu, et un, et lorsque les gens ils se mettent en rang dans la prière. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العبكري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها قال فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله فقال هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فدي صلى الله عليه وسلم qu'il y a au paradis des غرف. غرف c'est plural de غرفة. On va traduire ça par chambre. Et ça, ça fait référence aussi ici à des maisons indépendantes, comme dans certains hadiths qui sont creusées dans des perles. Ces maisons là, on voit l'intérieur de l'extérieur. Et on voit l'extérieur de l'intérieur. Quand tu es dedans, tu vois l'extérieur. Et quand tu es à l'extérieur, tu vois l'intérieur de ces maisons-là. Alors là, il y a un bédouin, il entend ça. Il se lève. Il dit, oh là, ce moment-là, elles sont pour qui ces maisons-là? Parce que nous, aujourd'hui, on voit des maisons comme ça. Ça ne vous fait rien. Nous, on n'a jamais des maisons comme ça. Hein? Mais eux, à l'époque, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Vous avez vu dans Surat An-Naml qu'Allah Ta'ala il parle de l'histoire de Moussa et de Sulaiman et de Belqaïs. Quand on lui dit Udkhulis Sarh, rentre dans la cour du palais. Falamma dakhalathu hasibathu nujatan wa kashafat an saqayha. Quand elle l'a vu, elle a cru que c'était un lac, une mer. Et alors elle s'est découvert les jambes, elle ne voulait pas se mouiller les pieds. Alors il lui dit innahu sarhun mumarradun min qawarir. C'est un sol de cristal. Il était sur la mer. Il était transparent, comme si tu allais marcher dans l'eau. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait après Belqaïs ? Qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. Vous rendez compte, moi, personnellement, je trouve vraiment, vraiment beaucoup de similitudes entre ce qu'Allah nous donne dans le Coran comme information sur Sulayman alayhi salam et notre mode de vie actuel. Il y a énormément de choses qui sont proches. On voyage en très peu de temps avec les avions. Lui, il voyageait avec le vent. Il avait des palais extraordinaires avec des sols en verre et en cristal, transparents. Et nous, on le voit aujourd'hui, ça, ces choses-là. On a tous vu sur Internet des palais ou des maisons avec gars dans la mer, dans l'eau, gars. Au milieu de l'eau, comme ça, tu es dans l'eau, tu vois des poissons comme ça, tu manges. J'ai même vu, ils ont fait un restaurant comme ça. Ils ont fait un restaurant, je sais pas, il est où ? Tu es en train de manger du poisson et des poissons qui... C'est toi dans l'aquarium, c'est pas eux. C'est extraordinaire. Et subhanallah, Sulayman, alayhi salam, il y a quelque chose qui devrait nous frapper. C'est que quand il a été occupé par tous ses bienfaits, jusqu'à oublier de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout sacrifié. C'est débarrassé. Il avait des chevaux, c'était les plus beaux chevaux. As-safinatul jihad. Vous avez vu dans les concours hippiques, pas qui hippique avec les concours des chevaux. Voilà, avec. Mohim. Et il y a plusieurs façons de faire des concours hippiques, donc il y a les courses, et il y a aussi les prestations, c'est des sortes de défilés. Et le cheval, il est dressé. Et t'as vu le cheval, quand il va avancer, il va lever une patte, il va tendre l'autre, il va faire la révérence, il va sauter au-dessus d'obstacles, il est akhiri. C'est ça, safinatul jihad. Les plus beaux chevaux, les mieux dressés. Et Sulayman, il en avait des centaines de chevaux comme ça. Et un après-midi, il était en train de regarder le défilé de chevaux comme ça, il était subjugué par leur beauté. Hatta tawarat bil hijab. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Je dis, Allahu Akbar, j'ai pas fait l'asr. Il a oublié. C'est comme toi, c'est comme moi. Tu regardes la télé, j'ai oublié la prière. Tu joues à la console, j'ai oublié la prière. Tu vas à un match de foot, j'ai oublié la prière. Tu changes les bougies. Bref, un milliard de trucs qu'on fait tous.
Et on oublie. Qu'est-ce qu'il a fait Sulayman alayhi salam? Rudduha alay, ramenez les chevaux, ramenez. Fatafiqa mashan bis souq wal a'naq. Et il s'est mis à frapper les jambes et les coups. Il dit dbah. Avant, parce que vous m'avez fait oublier la salat, vous allez voir. Il les a dbah tous. Il a coupé les jambes et les coups. Et la sadaq la main fi sabilillah. Rencontre-toi. Et comme il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui a remplacé les chevaux par le vent. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر. Tu vois, si tu te débarrasses, si tu sacrifies ce qui te loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te le remplacera par mieux. Te dis pas je vais perdre, voilà ce téléphone à cause de ce téléphone là. Combien de temps on a perdu à cause du téléphone? On aurait tous dû prendre un marteau et rak pak tak. Mais non, on attend le prochain qui sort là. Ah, le prochain, là, celui qui s'ouvre en deux, là, coûte 3000 euros, mais c'est pas grave. Je vais économiser, je vais l'acheter. Bah oui, comme ça, quand t'es là chez toi, enfin, regarder un truc, dès que quelqu'un n'est pas, hop, tu mets l'écran comme ça, tu te mets bien. Et tu regardes ce que tu regardes. Allahu a'lam de ce que tu regardes. Mouhim. Bon, ça, c'est bientôt la fin, moi, ça va être là. Tout ça pour dire que, on est vraiment éprouvés, nous, aujourd'hui, par la richesse, par le luxe, par la facilité. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Bref, le bédouin dit, ya Rasulallah, c'est quoi? C'est pour qui ces maisons-là? Quand tu réponds, sallallahu alayhi wa sallam, لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامِ. Celui quand il parle, il dit du bien. Dans sa bouche, avec des bonnes choses. وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ. Et qui donne à manger aux autres, qui nourrit les autres, ceux qui sont dans le besoin. وَأَفْشَى السَّلَامِ. Et qui répand السلام. On avait vu ensemble. Dans le Wataq, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, il sortait au marché exprès pour passer le salam aux gens. C'est tout. Et son père, il faisait la même chose. Il allait voir les gens, quand il fait halouk, il répondait Alhamdulillah. Il leur disait Hada ma aradtu mink. C'est ce que je voulais entendre de toi. Et il leur demandait comment ils allaient juste pour leur faire dire Alhamdulillah. Tu vois le fait de vouloir le bien pour les autres, chose que nous on n'a pas. On va arriver à l'emploi, j'ai pas envie de passer le salam. Après, tu pars de l'autre côté là. Ils allaient dans le marché pour passer salam aux gens. Pour leur faire dire Alhamdulillah, hada ma aradtu mink. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Wa afsha salam wa salla bil layl wan nas diya. Et il prie la nuit quand les gens ils dorment. Celui qui a réuni ces choses-là, ce sera lui propriétaire de ces maisons-là. Ces maisons particulières, exceptionnelles, dont les murs sont transparents. Même Hatta, les savants disent. Au paradis, les degrés ne sont pas superposés les uns sur les autres, mais ils sont superposés à l'image d'un escalier en colimaçon. Les escaliers, quand ils tournent, les marches, elles se succèdent les unes les autres. Elles ne sont pas les unes au-dessus des autres comme pour, dans une échelle. Pour que toi, d'où tu es, tu peux toujours voir les degrés de ceux qui sont au-dessus. Et d'ailleurs, ils disent que Ahlul Ghuraf, les propriétaires de ces ghurafs-là, de ces chambres-là, de ces appartements-là, les gens du paradis des plus bas degrés, ils les verront comme nous on voit les étoiles dans le ciel, fit dunya. Soit quand le ciel est dégagé, qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, et que tu regardes les étoiles dans le ciel, tu dis, waouh, mashallah, comment c'est beau. Et bien les gens du paradis qui seront dans les plus bas degrés, qui n'auront pas ces chambres-là, ces maisons-là, ils les verront au-dessus de comme ça, on dira, ah ouais, mashallah. Donc, tu sais maintenant comment faire pour avoir le contrat de propriété, l'acte de propriété. Sans passer par le notaire. Sans payer le frais de contrat, là, je ne sais pas quoi d'autre encore. فَنَسَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَّا يَحْرِمَنَا فَضْلَهُ وَنَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْغُرَفِ وَنَجْعَلَنَا مِنْ مَنْ طَيَّبَ الْكَلَامِ وَمِمَّنْ أَطْعَمَ الطَّعَامِ وَمِمَّنْ أَفْشَى السَّلَامِ وَمِمَّنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ إِنَّهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ.